Salut à toutes et à tous, c'est Warning Sniper HD et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentary sur Call of Duty Black Ops. Alors c'est du quartier général à la K47, une énorme partie de FR-JUA64FR avec qui je suis en présence. Salut. Eh bien salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on aimerait justement vous parler des keystrikes qui sont présents dans Modern Warfare 3 et aussi du Blackbird qu'il faut l'avouer qui est légèrement abusé. Vous allez voir à la fin de la partie, c'est justement grâce à ce keystrike que je vais réaliser une bonne partie. Mais tout d'abord, vous avez peut-être pu constater que nous avons mis l'intro de code QG, de code CF pour envoyer notre gameplay et pour pouvoir peut-être gagner des abonnés et pourquoi pas avoir des commentaires constructifs pour faire évoluer notre chaîne. Donc oui, voilà Alex, comme tu l'as dit, on espère que ce gameplay va leur intéresser. Alors, durant cette partie, on va accélérer plusieurs séquences, donc notamment celle des UI, parce que déjà voir quelqu'un fraguer dans un UI, ça sert strictement à rien, c'est pas intéressant. Et de plus, voilà, sur Fingering Range, tout le monde sait, quand on a un UI, on fait un carnage. Et ensuite, il y a une autre séquence, vous allez voir, quand je serai à 6 victimes d'affilée, je vais ramasser une AK-74U, donc voilà, une arme... Bon, on va pas parler de la KU. Mais je vais accélérer la séquence, puisque tout simplement, il y aura aucune action, je vais vraiment contourner l'ennemi. J'ai pas vraiment osé aller au contact, parce que je voulais vraiment débloquer mon Blackbird et les keystrikes suivants, qui étaient les UI. Alors, c'était vraiment inutile, donc on a accéléré cette séquence. Maintenant on va vous parler des keystrikes, des keystrikes de mort en quoi. Alors tout d'abord il faut savoir que maintenant sur chaque classe il y a une série de keystrikes, donc de keystrikes personnalisés, pardon. En gros c'est plus comme avant, une série de victimes pour toutes les classes. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal, à chaque fois qu'on changeait de mode de jeu, par exemple la recherche ou n'importe quelle série de mode de jeu, quoi, on était obligé de changer nos séries de victimes. Et de plus, si on voulait, en pleine partie on pouvait décider de jouer au snipe, donc si on avait des gros keystrikes c'était peut-être... pas très avantageux, donc franchement les développeurs de Warfare 3 ils ont plutôt géré. Donc en parlant de la séquence qui va être accélérée, je crois que c'est à ce moment là, vous allez voir, j'étais à 6-0, donc c'est pas énorme, mais je voulais vraiment avoir mon Blackbird et mon Yui, puisque je jouais avec les keystrikes Drone Brouilleur, Blackbird et Yui. Alors si j'ai mis Drone Brouilleur, c'est simplement parce qu'on jouait en équipe et que chacun devait mettre soit Drone Brouilleur ou l'avion espion. Donc voilà. Alors sinon, pour vous parler maintenant des keystrikes qui seront présents dans Warfare 3, ils sont divisés en trois parties, on peut dire ça comme ça. Il y a les keystrikes de support, donc avec de nombreux keystrikes. Ensuite il y a les keystrikes de stratégie et les keystrikes d'assaut. Donc pour ce qui est des keystrikes de support, il faut savoir c'est que la série d'élimination continue après notre mort. C'est à dire on fait par exemple 3 kills d'affilée, on meurt, on en tue un autre, donc on sera à 4 kills, on pourra débloquer le keystrike qui est à 4. Alors franchement, apparemment, on pourrait débloquer nos séries qu'une seule fois. Alors ça peut être pas mal, parce que si on fait, je sais pas, on met seulement 3 keystrikes et dans la partie on pourra débloquer qu'une seule fois ces 3 keystrikes, ben ça c'est bien. Alors remarque, je suis un petit peu con, parce que c'est obligatoirement on débloquera ces 3 keystrikes. Donc ça peut être pas mal pour les débutants, sans qu'on ait du mal un petit peu à fraguer, donc je pense que c'est plutôt bien. Alors qu'est-ce que sont les keystrikes de support? Donc il y a à 4 kills, il y a le radar. Donc il faut savoir qu'avant le radar, on le débloquait à 3 kills. Et que à 4 kills, c'était sur Modern Warfare 2, c'était le colique stratégique. Et comme il était assez cheaté, on trouvait des trucs énormes dedans. Donc voilà, à 4 kills, le radar, comme après notre mort, les kills continuent, je trouve que c'est plutôt bien, pas mal. Bien pour les débutants. Ensuite, à 5 kills, vous avez le brouilleur de radar. À 5 kills, il y a le basilic, le balistique du fel, pardon. En gros, ça c'est... Excusez-moi. C'est un atout, apparemment c'est un atout Juggernaut, je crois que Juggernaut c'est-à-dire mastodonte. Et ça en donne une sorte de veste pour toute l'équipe, ça peut être pas mal pour aider nos coéquipiers. En gros, je crois que ça augmente nos vies. Bon, si c'est avoir trouvé une équipe en face avec tous morphines, ça devient casse-couille. Bon, on verra ça avec le Warfare 3 ce que ça donne. Donc à 5ème kill, il y a le colis stratégique piégé. Bon, donc là, ouais. Pourquoi pas, ouais. Après, à 8 kills, il y a la tourelle anti-aérienne. Alors là, c'est plus la vieille tourelle anti-aérienne qu'on avait à Black Ops, c'est vraiment une tourelle anti-aérienne stylée. Qui donc ça va être bien stylé. Et donc, au 10ème kill, vous avez le missile téléguidé. Alors ça, apparemment, le missile téléguidé, c'est. On a entre. Je sais plus combien de missiles Predator. Je crois que c'est entre 0 et 14 missiles Predator qu'on peut envoyer. Donc, si le gars a 14 missiles Predator, je crois que ça peut faire très très mal. Alors, je trouve ça un petit peu bizarre, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Et donc ensuite vous avez l'atout qui est plus ou moins cheaté, c'est le Blackbird. C'est vrai que c'est un très bon atout, mais vous allez voir à la fin de la partie, c'est grâce à ça que je fais une bonne partie comme j'ai dit. Et donc à 12 kills vous avez la tourelle télécommandée. Donc ça en fait c'est un petit peu comme la tourelle de Homefront, c'est à dire on pilote
Voilà, une sorte de tourelle qui a une grosse mitraillette, mitrailleuse, ouais, un truc qui mitraille quoi au bout du. Un peu la RCXD améliorée, quoi. Voilà, c'est ça. Après, toujours à 12 kills, vous avez le bombardement furtif, donc ça qui est bien connu sur Modern Warfare 2. Et à 18 kills, vous avez la bombe du M. Donc ça, franchement, j'ai jamais trouvé. Beaucoup de gens s'extasient quand ils l'avaient. Moi, personnellement, je trouve ça que c'est un petit peu. Ouais, c'est un petit pourri. peu nul à chier, à part si vous avez le viseur laser, mais ça, Voilà. c'est pas bien grave. Donc, toujours à 18 kills, vous avez l'armure de Jugement. Juggernaut. C'est bien un colis, donc ça, c'est l'atout mastodonte. En gros, vous avez un bouclier, une Excusez-moi. petite arme, et vous avez plus de vie, donc ça, quand même, tu es ce genre de personne, ça devient bien casse-couille. Donc, toujours à 18 kills, vous avez l'équivalent du largage aérien d'urgence, donc 5 colis, dont un piégé. Alors, ça, si tu te... ça c'est vrai que le largage aérien d'urgence, c'est à 8 kills, c'est un petit peu abusé, mais c'est vraiment stylé si le colis piégé, on le sait pas, qu'on se le prend dans la gueule, ce serait bien. Non, mais problème. Ça, à mon avis, Alors, je ce sais. serait un peu bizarre. Bref, ensuite, on a les killstreaks d'assaut, donc ça, c'est les killstreaks. Ben comme on a dans les Call of Duty de maintenant, c'est-à-dire faut vraiment enchaîner les victimes pour les avoir. Donc à 4 kills, nous avons le colis stratégique. Donc j'espère qu'il sera comme dans Modern Warfare 2 et pas comme dans Black Ops. Non, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est quand on prend les killstreaks d'assaut, et ben on n'a pas le drone, donc ça c'est un peu gênant, je Ouais, trouve. j'avoue, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors ensuite, on a à 5 kills IMS. Ah, c'est ça, c'est 3 ou 4 mines qui ne peuvent pas réalisées au flashé. Ouais, en gros, c'est des claymores intuables. Bref, ouais, franchement, ce killstreak, je trouve pas terrible. À 5 kills, on a le missile Predator qui est de retour, un très très bon killstreak qui permettait facilement d'avoir son harrier ou bref, l'hélico A7. Et puis aussi pour les frags mobiles, c'était assez stylé qu'on fait 5 kills avec le Voilà. missile Predator. 5 kills, la tourelle automatique. À 6 kills, le bombardement de précision. À 7, l'hélico d'attaque qui est franchement pas terrible. Alors là, on commence dans les bons gros killstreaks. Donc à 7 kills, on a le Little Bird de Flock. En gros, c'est des mis hélicoptères qui patrouillent sur la map. Donc je crois qu'il y en a 5 ou 3, je sais plus. Alors ça va être bien stylé. Faut voir Ouais, ça un petit pourquoi peu ce que ça pas. donne. Après, pour les détruire, ça va être assez embêtant. À 9 kills, nous avons le Little Bird Guard. Donc c'est un grand hélicoptère qui nous suit partout et qui nous protège. Alors ça peut être pas mal. Sauf si ben, on rush, on a notre position qui est dévoilée. Donc ça peut être un petit peu gênant. À 10 kills, on a le Talcon. C'est un mini tank robot. Voir 12 kills, pardon, la 130 qui est de retour à 12 kills. Le Pavlo, ça c'est pas mal quand même qu'ils l'ont mis à 12 kills parce que c'est vrai que le Pavlo, quand même, c'était un killstreak assez puissant et l'avoir à 9 kills, c'était un petit peu abusé. Ensuite, nous avons un killstreak Combison de Juggernaut, donc c'est je crois à peu près la même chose que celui qui a 18 kills dans le support. Donc voilà, si vous avez un bouclier, vous avez plus de vie et c'est pas mal. Et pour ce qui est des killstreaks de stratégie, ça, tout simplement, on gagne plus de séries de victimes, enfin plus de séries de victimes, on gagne plus des hélicos ou des drones, mais des atouts. Donc on fait 2 kills, on a un deuxième atout, on a un autre atout, on fait 4 kills, on a un autre atout, on fait 6 kills, on a un autre atout. Donc ça aussi ça peut être pas mal, mais c'est vrai qu'une personne a 6 atouts quand même, c'est assez. J'ai pas abusé, mais faut voir après comment la communauté l'utilise, hein, si c'est abusé ou pas. Faut voir, ce soir il y a toujours des noobs sur Call of Duty, alors il y aura toujours des noobs pour vous faire chier, mais bon, les Call of Duty, au moins. Sous les Call of Duty, généralement sans ban, mais c'est la communauté qui les pourrit plus ou moins. Donc là, pour dire du Blackbird, vous avez pu voir que dans la vidéo, en fait, on jouait avec des amis, donc il y avait X-Funkies, Alpha Boss et Zarnakand, donc petite dédicace à eux. Et étant donné que, bon, alors, je dis pas qu'on est des gros PGM, mais on est plutôt bon, et en face, c'était pas vraiment allez, c'était pas très fort. Alors tous les 3 secondes, on envoyait des Blackbirds. Et c'est grâce à ça qu'on a fait une grosse partie. C'est comme vous pouvez le voir, quand même, à 8 kills, faire 8 kills d'affilée, c'est pas extrêmement difficile. Sauf pour les gros débutants, mais 7 kills d'affilée, c'est pas très difficile. Enfin, 8 kills, pardon, d'affilée, c'est pas difficile. Et c'est grâce à ça que, bah, voilà, que j'ai fait une très très grosse partie. Et pareil, le Yui à 9, je pense quand même qu'ils auraient pu le mettre à 11 à la place du Hind. Donc voilà, le Blackbird, c'est pour ça que voilà, beaucoup de gens l'utilisent. Et franchement, j'ai envie de dire qu'ils ont raison, mais franchement, avoir la position exacte des ennemis, où ils regardent, s'ils vont à droite, à gauche, oui, c'est un petit peu abusé quand même. Et Louis, pareil, sur certaines maps, c'est abusé comme Nocturne ou Fingering Range. Donc voilà, le gameplay est... Bientôt. va bientôt toucher à sa fin. Donc, pour dire, ma classe que j'ai jouée au début, je l'avais utilisée alors bah, la K47 en or, voilà, parce que j'ai trop la classe. AK-47 en or. J'avais mis chargeur amélioré, poids plume pro, visée solide pro et ninja pro, parce que je jouais avec un casque. Et voilà, visée solide sur la K-47, j'ai voulu essayer. Franchement, c'est pas mal. Après, comme équipement, j'ai mis le capteur de mouvement, qui sera de retour sur Modern Warfare 3 aussi. Et franchement, c'est un équipement que j'aime beaucoup utiliser pour couvrir une zone. Même si je ne veux pas jouer l'objectif, mais moi, ah là,
Petite quad de X-Funkies au passage avec le je sais pas comment ça s'appelle, le sort de la faucheuse, voilà. Qui s'est quand même plutôt pas mal gavé. Alors comme je disais, le capteur de mouvement, je trouve que c'est un bon kill strike pour courir des objectifs, courir une zone. Et sur ce rôle, ben, on jouait plutôt le Slayer, donc c'est pour ça que j'ai pas fragué. Enfin, pas joué l'objectif. T'as pas plutôt joué l'objectif, voilà. Je fais que fraguer. Et donc voilà. Alors j'espère que ce commentaire vous aura plu. Et que Code QG l'accepte, hein, parce que je pense que voilà, ça vaut les kill strike qu'on aura dans Warfare 3, c'est pas mal. Surtout qu'il sort dans 10 jours, je crois. Voilà, 10 jours. 10 jours à se faire chier sur Black Ops, 10 jours à se taper. À tuer des noobs sur Warfare 2. Voilà, avec leur lance-grenade. Et on aura enfin Warfare 3. Certains, pour certains, c'est du Warfare 2, mais tous ceux qui ont pu tester Warfare 3 10, que du bien. Et donc, vous avez pu voir le score final, j'ai presque fait 100 kills. J'ai fait 96 victimes pour 4 morts, franchement. Enfin, non, 94 victimes pour 6 morts. C'est quand même un assez bon gameplay. Franchement, tu t'es gavé, hein, voilà. Ça, on peut le dire. Bon, après, c'est un peu grâce au UI, hein, puisque tu suis refait à Grange, donc c'est un peu facile de. Et au Blackbird. Donc voilà, donc. Ben voilà, si cette vidéo est sur Code QG ou Code CF, ben, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre chaîne YouTube. Et ben, pourquoi pas vous abonner si et seulement si ben, voilà, vous aimez ce qu'on fait. Avoir quelques voilà, remarques constructives pour nous améliorer, et voilà. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Et puis, ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde.